Yo tout le monde, c'est Dit, j'espère que vous allez bien, car pour part ça plutôt bien les amis. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo avec quelques infos complémentaires bien intéressantes sur le prochain Call of Duty Black Ops 3 et surtout pas mal de beaux screenshots de qualité, vous allez le voir, qui donnent envie d'en voir encore plus, notamment avec la possibilité de jouer avec la bêta à venir. Je tiens également à préciser que ces infos ont été recueillies avant le reveal trailer à 19h30 le 26 avril. Juste avant de vous donner ces infos croustillantes, je vous l'assure, je vais vous inviter et je vais même vous prier de lâcher un like ainsi qu'écrire Back in Black, B-A-C-K-I-N-B-L-A-C-K, dans les commentaires avec bien sûr votre avis et vos ressentis si vous le désirez. Je répète, je vous invite à liker et à écrire à tout prix dans les commentaires Back in Black dans les commentaires. Première petite info concernant les déplacements, il vous sera possible d'exécuter le long d'un mur des envols limités avec l'aide d'un jetpack, mais pour ceux qui le désirent, il sera également possible d'apparemment jouer totalement au sol si vous le désirez. Reste à voir par quel moyen. Concernant les classes dites et dénommées spécialistes, il y aura un choix de 9 armes correspondant à cette catégorie, ainsi qu'un accessoire et 2 atouts si les traductions que j'ai tenté de faire sont bonnes. Il y aura également des classes jouables qui comporteront un bras bionique, si l'on peut dire ça comme ça, et vous pourrez le déployer afin de vous en servir comme une mitraillette. Il sera également possible avec certains atouts et certaines classes de voir à travers les murs pour pouvoir tuer les ennemis plus facilement. Cette fois-ci, l'intrigue de ce bonus est de savoir si la vision sera un temps bien déterminé ou non. On sait désormais que le multijoueur va disposer d'un nouveau système de personnalisation d'armes dénommé Gunsmith. Grâce à ce dernier, il sera possible de créer ses propres camouflages d'armes qui eux-mêmes pourront compter jusqu'à 64 couches. D'après Charlie Intel, les premiers modes confirmés qui persistent à travers le nouveau volet de la série seront élimination confirmée, match à mort par équipe ainsi que la domination. Donc comme je vous le dis, d'après cette même personne, on peut aussi apprendre que Call of Duty Black Ops 3 sera jouable dans une version non finale à l'E3 2015 de Los Angeles, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour toutes les chanceux qui vont y aller. Encore une bonne nouvelle pour ainsi dire, pour les noobs et joueurs de bas niveau comme moi, car les score streaks feront leur retour sur ce Call of Duty comme c'était le cas sur Black Ops 2. Voilà vraiment une très bonne nouvelle qui me fait plaisir à moi, Noobie. 3 noms de cartes ainsi que des descriptions étaient également été dévoilées. Ces 3 cartes sont donc Stronghold, qui est une map de glace, Combine, qui sera la plus petite carte du jeu, je vous l'annonce, et ainsi que Hunted, qui sera apparemment mêlée à de l'eau, mais ça reste un peu vague concernant cette dernière, donc retenez bien que la map Hunted sera apparemment peut-être inondée d'eau avec des animations, ça je ne sais pas encore, mais ça reste un peu vague. Pour terminer, il a été révélé que le personnage apparaissant sur ce screenshot porte le nom de Hendrix. Voilà les amis, je pense vous avoir donné pas mal d'infos vraiment concrètes. Cette vidéo touche à sa fin, donc pardonnez-moi, mais au moment où la vidéo sortira, il y aura certainement de nouvelles infos. Mais sachez que j'ai passé pas mal de temps à réaliser cette vidéo et faire les recherches. Donc je pense que le minimum vital pour ma chaîne de votre part serait de liker la vidéo et me donner votre avis en commentaire. Et je le rappelle les amis, écrivez bien Back in Black dans les commentaires pour me soutenir et me prouver votre présence. Ça me fera vraiment un plaisir fou et exceptionnel. Bien évidemment, pour suivre la suite de mon aventure, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour une chaîne riche en contenu de qualité. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les gamers!